La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncée par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agent de l'État, Ségrailleux, a annoncé son application pour fin février 2014, assorti d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAFRESIS salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Ségrailleux le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération. C'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire, sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAFRESIS. Nos besoins sociaux, tels l'hôpital de gériatrie, parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi-Maturin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement de statut de la Ségrailleux en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Ségrailleux de la liquidation des pensions.